Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne d'actualité du football. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Selon l'analyste sportif Rotten, le Real Madrid est déjà dégoûté d'avoir recruté Kylian Mbappé. Dans une émission diffusée sur RMC Sport, l'analyste a démontré que selon lui, le Real Madrid regretterait déjà amèrement d'avoir recruté Kylian Mbappé cet été. Pris dans une tempête médiatique depuis son refus de rejoindre l'équipe de France lors de cette trêve internationale, Kylian Mbappé a vu des ennuis judiciaires lui tomber dessus après sa virée en Suède. L'attaquant serait accusé, même si rien n'est encore sûr tant que l'enquête n'a pas livré ses premiers éléments. Son entourage, en tout cas, est convaincu que c'est lui qui est visé. Mais ce n'est pas pour cette raison que, selon Romain Molina, le Real Madrid serait dégoûté d'avoir recruté le Français. Les analystes de RMC sont formels, il n'a pas suivi sa préparation individualisée pendant ses vacances. C'est pour des raisons uniquement sportives que la direction madrilène aurait l'impression d'avoir commis une erreur, selon le journaliste d'investigation. Déjà, Mbappé n'aurait pas suivi sa préparation individualisée pendant ses courtes vacances, contrairement à Jude Bellingham ou à Vinicius Junior en plus, en termes d'explosivité et de vitesse, il serait très loin de son niveau d'il y a 2 ans. Romain Molina assure que Kylian Mbappé ne travaille plus suffisamment aux entraînements et que cela se ressent car il serait cramé, à seulement 25 ans. Florentino Pérez n'a pas encore commenté l'affaire. Mais il se peut qu'il soit déçu sur les performances sportives et extrasportives de Mbappé. Selon les informations de Romain Molina, le Real Madrid regrette d'avoir signé Kylian Mbappé, qui est né actuellement dans la tourmente à cause de l'affaire en Suède et de la plainte qui le viserait. Kylian Mbappé naît actuellement dans la tourmente, lui qui serait visé par une plainte, selon les médias suédois, après son séjour à Stockholm la semaine dernière. Si RMC et Le Parisien ont assuré, ce jeudi matin, que le numéro 9 du Real avait bien eu un rapport intime consenti avec une femme après sa virée en boîte, et que les deux se sont envoyés des messages par la suite, le joueur, lui, reste concentré sur le football puisqu'il est rentré à Madrid et s'entraîne normalement avec le groupe des Merengues. Mais selon Romain Molina, tout ne se passerait pas pour le mieux dans la capitale espagnole. Selon lui, le Real Madrid regrette de l'avoir signé cet été. Il faut dire que le Real Madrid se portait très bien avant l'arrivée de Mbappé. Certains sont en colère, comme ce journaliste qui a fait des déclarations comme celle-ci, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Déjà, il s'agit d'un caprice de Florentino Pérez. Il n'y a que Pérez qui le voulait. Il a toujours aimé les grands joueurs. Quand le PSG ne répondait plus au Real un été, il l'appelait au téléphone et ils étaient toujours très proches. Mais là, au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau qui n'est pas aux attentes. Dans le vestiaire, ce n'est pas fou et ce n'est pas tellement de la faute du joueur non plus. Le Real fait une grosse cet été puisqu'il ne fait pas de préparation et joue direct alors que Jude Bellingham l'avait fait. La chute physique qu'il a eue à 25 ans, je n'avais jamais vu ça, s'est étonné le journaliste. L'énorme confidence sur Kylian Mbappé en interne. Kylian Mbappé est dans la tourmente en dehors des terrains mais du côté du Real Madrid, les choses se passent beaucoup mieux. Depuis 2 semaines maintenant, de sa non-convocation polémique en bleu jusqu'au scandale de sa virée en Suède, qui tourne désormais au feuilleton juridique avec une supposée plainte pour viol et agression sexuelle, non confirmée officiellement, Kylian Mbappé passe des jours difficiles. Mais une éclaircie se dessine-t-elle? En tout cas, le crack de Bondy semble entrevoir un avenir plus favorable du côté du Real Madrid où les choses se passent très bien en interne. Mbappé a la conscience tranquille. Dans l'émission El Chiringuito ces dernières heures, le journaliste Edu Aguirre a fait des confidences sur le cas Mbappé en interne. Visiblement, tout va bien pour le capitaine des Bleus, tranquille sur le plan personnel et qui se retrouve au cœur d'une montée en puissance sur le plan physique. Mbappé est tranquille, il a la conscience tranquille. Il ressent plus que jamais le soutien du Real Madrid. Il ne traverse pas une période facile, mais il est très tranquille. Il vit avec ses coéquipiers tout à fait normalement. Et le plus important, Mbappé arrive à la fin de sa mini pré-saison, et il est proche d'être à son meilleur moment. Ceux qui l'ont vu à l'entraînement parlent d'un Mbappé proche de son niveau du PSG. Il y a de grandes chances qu'il soit titulaire samedi, a annoncé Edu Aguirre à l'antenne. Signe d'un retour fracassant sur les terrains avec le club merengue, voici les dernières actualités sur l'affaire Mbappé en Suède. N'oublie pas de liker,
de t'abonner et de laisser un commentaire. L'avocate de Kylian Mbappé affirme qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre. L'avocate de Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, s'est exprimée dans le 20h de TF1 alors que le capitaine de l'équipe de France serait visé par une enquête pour viol en Suède. On nous parle d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l'encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité, ni la preuve de quoi que ce soit, et je ne sais même pas si la plainte le vise, a-t-elle assuré, ajoutant que de tels actes seraient rendus impossibles par le fait que le joueur est en permanence accompagné, notamment de son garde du corps. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait une prise de risque. Cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. L'avocate a également affirmé qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse allait être déposée. Il est particulièrement serein, mais il est éberlué par cet emballement médiatique, dit-elle à propos de son client, qui a repris l'entraînement du côté de Madrid. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché. Mbappé dans la tourmente. Ces dernières heures, l'attaquant du Real Madrid se retrouve dans la tourmente après un séjour à Stockholm la semaine passée. La police suédoise a en effet annoncé avoir ouvert une enquête, des faits qui auraient eu lieu dans l'hôtel où séjournait le capitaine des Bleus. Selon le média local Expressen, l'intéressé serait considéré comme raisonnablement suspect, soit le degré de suspicion le plus faible dans la loi suédoise. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un commentaire. You are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. Fight it.